cas, ça fait plaisir. Enfin du beau temps. On est bof. Wow, ça tangue. Je comprends pas. Les couleurs sont absolument magnifiques. Je crois que c'est le 5 ou 6ème, non? Allez, on va payer. Allez, encore. Et encore, on paye. Et allez, et on y va, 8,50€. C'est gratuit. Par contre, les gars, regardez-moi cette vue. C'est dingue, c'est dingue. Alors, il faut que tu mettes ta carte. Mais où? Non, je rigole. Bah, dans le trou qui clignote, je pense. Si c'est pas ça, bah, t'as plus de carte. Ah si, c'est bon. Frère, le reçu, c'est une carte de vœux. C'est un restaurant. C'est une carte de vœux. C'est dur. Bon appétit. Bon petit tour de notre Airbnb, plutôt sympatoche. La cuisine. Voilà, bon, il servira certainement pas parce qu'on va lui manger des grandes pizzas. Ça va être bon. Hop, ma chambre. Les chambres sont énormes, clairement. Et on a mesuré 2,20 m le plafond. Donc clairement voilà. La chambre à Guigui et Clem, ils ont voulu se mettre ensemble. Et puis la chambre à Léo. Paf, la petite salle de bain. Zaï. Voilà. Demain, on attaque avec Otto Biano. Ça va être sport, ça va être beau. C'est peut-être le seul jour où on va avoir très beau. Donc on va profiter au max. En plus, il y a les deux, il y a deux des trois pistes qui sont ouvertes. Je crois que c'est la nationale et la internationale. Donc voilà. Maintenant, repos. Et puis voilà, demain, on va être en forme. Bon, pour le moment, la météo, c'est pas ça. Ils annoncent du soleil. Mais... jusqu'à preuve du contraire, c'est brumeux. Ça y est, on les a. C'est un délire, les gars, c'est un délire. Regardez les engins là, hop. On va être bien, moi je te le dis. Les touristes en pique-nique, regarde-le, hop. Il a tout, la tonnelle, la moto, toutes les affaires, la bouffe. Hop. Merci. Bon allez les gars, let's go. On va rouler en Italie. On roule en Italie. Ça va être gras. Hein? Ça va être gras. C'est l'enfer!
C'est un truc de ouf. Jamais roulé dans le sable. Tu vois, dans une terre sableuse. Où en plus, c'est gras. Je me suis bien enculé, n'empêche. Lui, il roule. Après, tu me diras, il fait championnat de France de cross. Oh! Bon, t'es bombard 125. J'ai l'impression d'avoir plus que mon 4,5. Oh. Je sais pas après quel pneu il a, tu me diras. Parce que le pneu enduro là. Bon, pas très concluant. Hein. T'es un dégueulasse. Des mecs qui ont pété leur moto devant nous. Un délire. La ligne qui a bien bleu. Bon, premier avis. Pas terrible. Ah bah c'est pas facile. Je dirais même plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant on va aller là, ça a l'air d'être mieux. Moins miné en tout cas. J'ai tordu le guidon peut-être. Bon. Piste numéro 2, en espérant qu'elle soit mieux que la 1, parce que la 1 était éclatée au sol. Enfin, trop dur pour nous. Allez, je m'en vais moi. J'ai pas besoin d'accélérateur. Oh ah voilà, c'est pour ça qu'on est venu en Italie. Il est tombé tout à l'heure, juste là, là. Bon, on vous a expliqué t'as des choses. On a retrouvé le deuxième terrain, au top. Par contre, ben, Guigui a pas fait gaffe en montant sa moto. Il a mal serré le vis de vidange. Donc, il a roulé sans huile de boîte. Donc là, moteur ouvert. Je me suis dit, si les motos cassent, c'est quand même très fort. Et peut-être qu'elle a cassé, on va voir. Ils sont allés chercher tout ce qu'il faut pour réparer. Et on va bien voir. L'embrayage a l'air d'avoir un peu souffert, mais ça va. Surtout en mettre de l'huile et voir comment ça fonctionne. Bon, il a roulé sans huile. Les disques sont pas défoncés. On prie un peu. On prie. Les gars, on prie. Vous avez, on n'est pas des grands mécanos, mais ils sont pratiquement neufs, le bordel. Je sais pas ce que t'en penses, ils ont pas l'air trop dégueulasses. Je pense qu'on s'en sort bien. On va voir, on va essayer d'y remonter, voir si ça fait la merde, mais bon. Voilà. Bon les gars, coup de chat, on est allé voir le team Tech 32. Des mecs, un mec trop sympa, qui est direct venu nous parler et qui va sûrement nous dépanner d'un vis. Alors on espère que ça suffira. Parce que l'embrayage a pas l'air d'avoir trop chauffé, comme je vous l'ai dit, on a démonté les disques vis, disques garnis. Voilà, regardez, ça roule. Hop. Le temps est dégueulasse. Le terrain est pas ouf, mais on fait comme on peut. On prie fort. La moto, elle a rien du tout comme l'heure, ça fait chier. Bon, update. L'embrayage a l'air bon, on a fait vérifier par le mec de Tech 32. Bon, largement, son vis n'allait pas. Par contre, les Allemands nous ont passé les vis là-bas. Donc, merci.
c'est l'heure du miam miam. Merci Monster Energy. Du coup, ça c'est bacon. Tout le monde a préparé ou pas du coup? Non. Non, j'ai préparé les deux. C'était ben bon, c'était ben bon. Bonne journée. Maintenant, faut les laver. C'est pas très propre les outils là. Tu peux voir? Comme neuf. Bon, putain de journée en vrai. T'es propre. Regardez-les. Wow! Wow! Qu'est-ce que faz à quoi? On va peut-être partir à manger. Ouais, 18h. Mais bon, on a faim quand même. Oh, regarde! Ça va peut-être marcher ça? Non, trop petit. Bon, tout bien, au revoir. Ciao. Alors là les gars, on passe sur un pont, c'est une barque le truc. Et des bateaux. J'ai jamais vu ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Voilà. Je vais dire un ponton. Un ponton, on traverse un ponton.